Si tu me donnes un amen bien, que le ciel te localise au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen bien, que le Dieu de la Bible accomplisse cela dans ta vie au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Tu vivras des choses plus grandes que ce que tu as déjà eu à voir dans le jour passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que aussi au Mona Makam, aussi au Mona Miracle, je sais que Namikolo et Leka qui au témoignage, mais dans l'ingénieur et biso que na période où nous avons besoin de témoignage à Sika. Dans le témoignage à Sika, nous comptons en Dieu pour témoignage à Sika, nous comptons en famille na yo. Témoignage à Sika, nous comptons en vie à Bana na yo. Na lobi na tongo ya lelo ozo kota na saison ba témoignage asika na lobi ba témoignage akala tozo enterré yango okobeta lisolo ya nzambe ya lelo na lobi okobeta lisolo ya nzambe ya lelo makambo ba témoignage akala zo sila na tongo ya lelo na zalaka na mbongo kala esili lelo na banda kobota kala esili lelo na tombo makakala esili lelo mais lelo la tongo ya lelo okoloba Nzamba pambo la kapambo linga lelo ah. Nzambo aboti sakaboti singa lelo Nzambo atombo la katombo linga lelo Nzambo apesa kaba visa apesi yango lelo. Fini la saison oyo bandeko yebisa batu kala j'ai voyagé avant j'étais beau avant j'étais belle oko yebisa bango Nzambo apesa kabota apesi bota ah. La tika na ebisa yo so keza na bato ba la tika yo masque de vieillesse oye ba kome ko baby se logi na yo na tongo ya lelo ba ozala konfondi parce que toko yebisa bango Nzambo a restaura ka a restaure logi nanga a restaure bote nanga a restaure tai nanga oye apesi nga men Nzambo a restaure ye. Gloire à Dieu. Jean chapitre 1er verset 45. Alors pour ce matin, je t'ai préparé un soutien bien. Que l'ange qui nous avait visité revienne encore. Que l'ange qui nous avait visité les jours passés, que cet ange revienne encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un ange qui t'avait visité. Cet ange reviendra encore. Parce que le Dieu de la Bible, il est un Dieu de la seconde chance. Je dis que Nzamba peso seconde chance na tongo lelo. Lorsqu'il t'avait visité les jours passés, na sambeli nzambe na tongo lelo. Que cet ange revienne encore. L'ange qui t'avait ouvert les yeux, toi qui voyais des visions, toi qui parlais des choses et la chose s'accomplissait, que cet ange revienne ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange qui t'avait visité pendant tes heures de prière, cet ange a visité Kayo, na 0 heure, pendant que tu étais seul, dans l'intimité avec Dieu, ce matin, que cet ange revienne encore. Que l'ange qui nous avait visité dans les jours passés. Je t'ai dit, il y a un ange qui t'avait visité. Dans les jours passés, il y a un ange qui t'avait saisi. C'est la raison pour laquelle tu accomplissais des choses étranges. Mais ce matin, j'ai dit à quelqu'un que ce matin, l'ange qui t'avait visité dans les jours passés, cet ange reviendra encore. Ah, j'ai dit, il va encore te saisir ce matin. L'ange qui te parlait auparavant, il va encore te parler ce matin. L'ange qui était mis à ta disposition et à ton service, ce matin, il va encore travailler pour toi. J'ai dit, il va travailler en ta faveur. Wow. Jean chapitre 1er, verset 45. Nous lisons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit. Philippe dit à Nathanaël. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit. Nathanaël dit à Philippe.
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Philippe lui répondit. Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. Il lui dit, voici vraiment un Israélite, ah, dans lequel il n'y a point de fraude. Yes. D'où me connais-tu? Là. Lui dit Nathanaël. Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela. Quand tu étais sous le figuier. J'étais vu. Nathanaël répondit et lui dit. Rabbi. Tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, tu crois. Ouais. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, écoute. En vérité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est Marc, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Nous allons encore lire Juges chapitre 13, le verset 1er à 8. Et prenons nos places et le berger va lire pour tous. Juges chapitre 13, le verset 1er à 8. Juges 13, 1 à 8. Yes. Il est écrit. Ah. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ah. Et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Yes. Il y avait un homme de Tsoréa, yes, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Yes. Sa femme était stérile, ah, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, yes, Voici tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin. Ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Yes. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Ah. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main du Philistin. Yes. La femme alla dire à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Yes. Mais il m'a dit. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant. Ne bois ni vin. Ah. Ni liqueur forte. Ah. Et ne mange rien d'impur. Mm. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur. Que l'ange que tu avais envoyé. Vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Parole du Seigneur. Luc chapitre 1er, verset 26. À 38. Luc chapitre 1er, verset 28. Chapitre 1, 26 à 28. Au sixième mois, la Bible dit au sixième mois, de la même manière que nous sommes au sixième mois de l'année 2024. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour quelqu'un ce matin. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. À l'église Saint-Marc. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit. Ah. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole.
troublée par cette parole. Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Yes. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Ne crains point Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ah. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Yes. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Yes. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Yes. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Ah. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Voici Élisabeth. Ta parente. A conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse. Ah. Et celle qui était appelée stérile. Ah. Il est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit à l'ange. Je suis la servante du Seigneur. Ah. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons tous ensemble acclamer pour cette parole? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la semaine, nous avons eu à développer beaucoup de choses. Nous avons eu à parler sur beaucoup de choses. Mais ce matin, j'aimerais rapidement, pour toi qui n'étais pas là avec nous, j'aimerais quand même te donner l'image de ce qui a été dit la semaine. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 45, la Bible nous fait comprendre qu'un jour, Philippe, allant à la rencontre de Nathanaël, il dit à Nathanaël que l'homme que Moïse a eu à parler, l'homme que les apôtres, les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, je l'ai rencontré. Philippe a été invité, appelé par Jésus lui-même. Et parce qu'il avait rencontré Jésus à son tour, la bonne nouvelle que Philippe avait reçue à son tour, Philippe va aussi aller faire la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je mérite de faire comprendre que si l'évangile de Jésus est une bonne nouvelle pour toi et moi, c'est qu'en retour, nous sommes aussi appelés à aller annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Philippe a été appelé par Jésus. Jésus lui avait dit, suis-moi. Et Philippe lui a suivi. En retour, le même Philippe va à la rencontre de Nathanaël et lui parle de Jésus de Nazareth. Et ce qui me choque, c'est la réponse ou la réaction de Nathanaël. Nathanaël va dire à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Par rapport à l'information que Nathanaël avait sur Nazareth, Nathanaël ne pouvait jamais s'imaginer que de Nazareth pouvait sortir quelque chose de bon. Il dit à Philippe, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine, je nous ai fait comprendre qu'il y a des gens qui nous ont vu naître. Il y a des gens qui nous connaissent. Et il y a des gens qui ne croient pas que quelque chose de bon peut sortir de nous. Tout peut arriver dans ta vie, sauf le bonheur. Parce que la personne a des informations sur ta famille. Il sait que dans ta famille, tout le monde a échoué. Ton père a échoué, ta mère a échoué. Donc le jour où on lui apprend que toi, tu as reçu de l'embauche quelque part, il dit non, rien de bon ne peut sortir de cette famille-là. Parce que là-bas, ils sont destinés à échouer. Rien de bon ne peut sortir de cette famille. Parce que cette famille a été déjà liée. C'est une famille déjà vendue. Rien de bon ne peut sortir de vous.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi t'apprendre et te dire encore que ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Cependant, ce matin, Dieu est en train de travailler à ton sujet. Et si comme tu m'as lobati, que loko moko ya malonga to ya malamo, et kobi mana vi na yote, tope kobi mana vi ya bana na yote, ngonga ekoti, na tongo ya lelo, que Elohim change les discours des gens au nom puissant de Jésus. Il dit rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Rien. Rien de bon. Bien-aimé, lorsque tu te regardes, lorsque tu regardes tes enfants, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des gens qui ne croient pas en nous. Donc, il y a des gens qui nous ont tellement limités. Pour eux, nous nous sommes seulement appelés à pleurer. Nous sommes seulement appelés à souffrir chaque jour. Laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis chaque chose à son temps. Tes ennemis, ils ont des informations sur ta famille, mais ils n'ont pas des informations sur ta destinée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont des informations sur tes parents, mais par rapport à ta destinée, seul Dieu connaît où il t'amène. Même si aujourd'hui je souffre, je sais que quelque chose de bon sortira de moi. Laissez-moi te dire, même les fruits de tes entrailles, tes enfants seront bénis parce que quelque chose de bon sortira de toi. Celui qui me donne un meilleur amen, que Dieu bénisse les fruits de tes entrailles. Que Dieu bénisse tes enfants. Ceux qui bannent à Bango va échouer. Oya yo ba ko échouer. Ceux qui bannent à Bango va kenda libosote. Oya yo ba okende liboso. Parce que Elohim est avec toi. Combo ya famille yebana. Parce que rien de bon ne peut sortir de cette famille. Famille wana. Bango ba bimisaka bandumba. Bango ba bimisaka ba sur ba bota na libota. Bango ba bimisaka ba chômeur. C'est que ba okiko si ça na bango classe. Mais musala est domaine na bango te. Tikanga na ebisayo. Bazala ki na mauvaise information. Oh, na dobi bazala ki na mauvaise information. Ba yeba ki te ke yonde oyé na mokile pour que o changer histoire à famille na yo. Na lobi na nzela na yo pa jasika ezo banda na libota na yo. Soki balobaki ke eloko malonga e banda ko bima na famille na yo te na tonga lelo to koyebisa bango c'était dans le passé wane zalaki dans le passé mais maintenant à cause de ma présence dans cette famille quelque chose de nouveau va se passer. Alléluia. Et Philippe va dire à Nathanaël, viens. Je sais que tu as des informations, mais viens quand même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Nathanaël s'avance vers Jésus, Jésus va dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, Nathanaël, pendant que tu étais sous les figuiers, moi, je t'ai vu. Est-ce que je peux parler? Je dis aussi à une personne, pendant que tu étais chez toi, quand tu prenais un bain, même pendant que tu t'appliquais les lotions, pendant que tu t'habillais, pendant que tu prenais la moto ou ton véhicule pour venir ici, il y a un Dieu au ciel qui te voyait. Alléluia. Nathanaël avait douté à l'information de Philippe. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit, pendant que tu étais sous le figuier, moi je te voyais. Et Nathanaël fut troublé. Parce que lui-même, il a réalisé que ce que je faisais sous le figuier, même Philippe n'était pas informé de ça. Mais si cet homme peut me dire ce que je faisais sous le figuier, cela signifie qu'il est rabbi. Oh, écoute-moi bien. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce mois de juin, toi-même de tes propres yeux, tu verras Dieu sur ton chemin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, tu vas les rencontrer sur ton chemin. Et toi-même, tu vas lui donner le nom qui lui convient. Philippe a dit, tu es rabbi.
tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et ça, la moto mokote appelle ça qui Philippe Kombo. Philippe yemo kabandi kotange na bakombo par rapport ya oye a monaki. Mbombe koti na vie na yo. Na libota lope la famille na yo. Yo okuta la nzambe. Pe ope sa nzambe kombo oye bongi na ye par rapport ya likambo a rosala la vie na yo. Pe sanga amen zamba salue loko asika na vie na yo. Il dit, tu es Rabbi. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu as cru. Bien aimé. Et ça n'a pas tout ce pour que bandima. Il faut m'en bas mon âme. On peut s'en amener bien. Tu vois, le fait de venir à l'église chaque jour, le fait de prier, le fait de donner des offrandes, des dîmes, de jeûner chaque jour. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Je prie le Seigneur ce matin. Ngonge koki. Bato babande kondi melanzambe note. Ba comprendre. Pe bandima. Ke yo. Ozalara nanzamba solo. On a lobi na famille. Bato ba koma influencer. Par rapport, il y a un résultat. On zambé non, on dans ça, on zéla na yo. Bato babande konti mate. Ken zambé oyobé le lakayo kara lo sambo. Ngonge koki ba mona. Pe bandi mango au nom de Jésus. Il dit à Philippe, à Nathanaël, pardon, il dit, en vérité. Non, avant cela, il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figues, tu as cru. Mais Nathanaël, écoute. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. C'est une prophétie pour quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, c'est une prophétie pour une famille. Vous allez vivre des choses plus grandes que ce que vous avez déjà vu. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu plus forte que ce que vous avez eu à expérimenter dans les jours passés. Vous allez vivre des choses étranges, des choses que vous n'avez jamais vues dans la famille au nom de Jésus. Il dit, en vérité, vous verrez désormais. Frère, il y a un désormais pour cette matinée. Je dis, il y a un désormais pour ta vie ce matin. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Que le ciel de Dieu demeure ouvert en ta faveur. Que le ciel demeure ouvert en faveur de tes enfants. Oh, dans ta maison, que le ciel demeure ouvert. Dans ton travail, que le ciel demeure ouvert. Dans tout ce que tu feras au cours de cette année, que le ciel demeure ouvert en ta faveur. Et que celui qui me donne le meilleur de Zamed, l'Ola Yazambe, et Tikalayako Fongwa Mananzela Nayo. Et si quand il y a un peu de ceux qui va kangela qui va mis sous porte, il va fongoler la porte. Oh, va tomber sous va expérimenter, il va expérimenter yango. Oh, va mis sous va monate, il va mona yango. Oh, va mis sous va simbate, il va simba yango. Et si quand va mis sous va kendate, il va kende. Parce que lola ya nzambe, et ça y a un fongwa mana faveur na yo. Na lobi lo les ya fongwa mana faveur na yo. Na tombo ya lelo, na zo kaka. Oh, nyo se bande ko lelisa bana na yo. Oh, nyo se bande ko lelisa na libala. Oh, nyo se bande ko lelisa na musala. Oh, nyo se bande ko lelisa na santé. Je lève ma main droite ce matin. Je déclare et je décrète sur la vie de 10 personnes ce matin. Oh, les ala qui est impossible. Et comment possible au nom de Jésus. Oh, les bande ko salamate. Et salamali kolono au nom de Jésus. Et si quand yon se bat ma limite à qui yo. Zambé a élargir. Zambé a fongola. Et si comme tu m'as dit qui point, na tombe à l'élo, na lobi l'okola mosala nzambe, histoire na yo, et kosi la boyete, histoire ya bala na yo, et kosi la boyete, histoire ya ndaku na yo, et kosi la boyete, histoire ya mobali na yo, et kosi la boyete, zamba lola, et si comme tu m'as dit qui point, zamba continue histoire na yo, ce qui m'a dit ma kanga qui livre, zamba fongo la page à Sika, Likola libota na yo, likola famille na yo. Oya pesinga amen. Lola ya nzambe, sous l'onction de mon père, le docteur Papi Aropiolo, je déclare et je décrète. Oh, expérimenté, puissance ensemble, au nom puissant de Jésus. Désormais, oh,
désormais, vous verrez le ciel ouvert. Il y a des gens qui ne croyaient pas en toi. Mais laisse-moi te dire, désormais, ils vont croire en toi. Il y a des gens qui ne te faisaient pas confiance. Désormais, ils te feront confiance. Tu produiras des fruits en cette année 2024. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Ah, j'ai dit, tu ne mourras pas dans l'humiliation. Ah, est-ce que je peux encore parler? J'ai dit encore, l'humiliation ne viendra pas deux fois. Ah, j'ai dit, l'humiliation ne viendra pas deux fois. Tu ne pleureras pas deux fois. Oh, tu ne choueras pas deux fois. Tu ne vas pas manquer deux fois. Ah, tu ne tomberas pas maladie deux fois. Ah, que Dieu te fasse jouir au nom puissant de Jésus. Écoute maintenant, j'entre dans mon sujet pour ce matin. Que l'ange qui nous avait visité l'autre fois, que cet ange revienne encore. Je suis dans le livre de Juges. L'histoire, nous la connaissons tous. C'est l'histoire de la naissance d'un héros, d'un homme fort et puissant au nom de Samson. La Bible dit, l'ange est apparu à une femme. Mais ce qui me choque dans cette histoire, c'est que la Bible ne nous donne pas le nom de la femme. J'ai besoin de deux sœurs. Est-ce que deux sœurs peuvent s'avancer rapidement? Je demande deux sœurs. J'ai besoin de deux sœurs. Enis, viens. Je t'ai vu bouger la personne qui est à tes côtés. Ah, venez vous deux là. Venez vous deux. Nous connaissons bien cette histoire. Nous connaissons bien cette histoire. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Juges que l'ange de l'Éternel apparut à une femme. Mais ce qui me choque dans cette histoire, c'est que la Bible ne nous donne pas le nom de la femme. Mais la Bible nous dit, l'ange va apparaître à une femme et l'ange va dire à cette femme que tu seras enceinte. Mais le nom de la femme n'est pas connu. La femme a écouté à l'ange, mais la femme n'a pas réagi comme Marie. La femme n'a pas demandé à l'ange comment cela se fera-t-il. Non. La femme n'a pas posé des questions à l'ange, mais la femme a tout simplement écouté l'ange. Cette femme est là. L'ange lui apparaît, il reçoit le message de l'ange. En retour, cette femme va partager le même message avec son mari. Contrairement à cette femme dont la Bible nous parle dans les livres de Luc, je peux encore aller plus loin en disant que les deux femmes étaient dans les mêmes conditions. L'ange lui est apparu, l'ange a aussi apparu ici. L'ange a apparu dans le livre des Juges. L'ange va encore apparaître dans le livre de Luc. Mais la différence avec cette femme-ci, lorsque l'ange lui parle, l'ange lui dit, tu seras enceinte. Cette femme prend quand même le temps de discuter avec l'ange. Il dit quand même à l'ange, parce que je ne connais pas d'homme. Vous voyez un peu? Cette femme prend quand même le temps de parler avec l'ange. Avec l'idée de savoir, bien aimé, écoute, le problème, ce n'est pas qu'on prophétise sur toi. Mais le plus grand problème, c'est celle de savoir comment cela se fera-t-il. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsque je t'ai dit, Dieu te bénira, c'est la finalité. Mais avant d'arriver à cette bénédiction, il y a des choses que tu es appelé à faire. C'est que le plus grand problème, c'est que ce n'est pas celle de demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais par contre, demander à Dieu, Seigneur, quoi faire pour être béni? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme ici dit à l'ange, oui, avoir un enfant, je suis d'accord. Mais Ekobanda, Nenge, Nini. Chose que celle-là n'a pas fait. Elle a écouté le message. Et elle est allée directement parler à son mari. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler sur quelqu'un? J'aimerais tout simplement faire comprendre à l'assemblée ceci.
Nous pouvons tous passer par les mêmes réalités. Mais laisse-moi te faire comprendre. Les résultats ne seront pas les mêmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une catégorie de gens. L'ange va leur apparaître. L'ange va te parler. Mais l'ombre de tout puissant ne va pas te couvrir. Parce que c'était demandé à cette femme. Elle a écouté les messages de l'ange. Mais elle doit se rencontrer avec son mari Manoach. Afin qu'ils soient ensemble. Pour que le bébé Samson vienne. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un quelque chose? Cette femme, lui, il écoute les messages. Tu vas tomber enceinte. Mais lui-même sait bien que j'ai un homme. Donc si je vais tomber enceinte, cela signifie que je dois entrer en intimité avec qui? Avec mon mari. C'est ça, non? La femme se limite là. Mais la femme, dans la Bible, nous parle dans le livre de Luc, elle, lorsqu'elle reçoit les messages, elle dit à l'ange, non, je ne connais pas d'homme. Comment cela doit se passer? L'ange lui dit, non, ça ne sera pas le fruit d'un homme. Ça ne sera pas la force d'un homme. Mais l'ombre du Tout-Puissant découvrira. C'est que j'ai compris, il y a une catégorie de gens. Oh, bah, qu'on soit lipam, bolian, zam. Tout simplement parce que Baza couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Et il y a aussi une catégorie de gens. Pour que Baza soit lipam, bolian, zam. Ils sont appelés à marcher par une vie de discipline. Oh. Oh. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'avec elle, le problème, ce n'est pas de tomber enceinte. Mais il y a des disciplines, il y a des choses que tu n'es pas appelé à faire. Par exemple, tu ne prendras pas du vin. Tu es limité à ça. Ça, tu ne peux pas faire. Tu veux avoir le résultat à ces problèmes-là. Il y a une catégorie de choses à respecter. Il y a des choses à ne pas faire. Et il y a des choses à faire. Je vais tout simplement te faire comprendre que nous pouvons tous servir Dieu dans cette église. Nous avons tous le même problème. Mais laissez-moi te faire comprendre. Les chemins à prendre pour aboutir au résultat ne seront pas les mêmes. Puis en amène. Alléluia. C'est que les cannabis sont une réalité mon corps. Mais résultat, c'est ce matin, j'aimerais que tu retiennes ça. T'as là, tous les cannabis sont bisous sur célibataire. Et ça, la même chose pour que bas soit libala, il faut bas ça la kindumba. Mais ça, la même chose pour que bas soit libala, bas ça appelé à cause à la consacrer, bas ça appelé à côté moi la robangaza. Cela signifie quoi? Ceux qui mousninga na yo, oya banga ganza mbete, à soi qui libala nanzela ya kindumba. Cela n'est pas le cas pour toi. Ah, mais ça ramène à bien. Cela ne sera pas le cas pour toi, parce que yo osa la race na yete, yo osa lokola yete. Ceux qui à soi qui ont na kindumba, moi je demeurerai dans la présence de Dieu. Je ne prendrai pas du vin. Il y a des choses que je ne ferai pas, pour tout simplement parce que j'attends quelque chose venant du ciel. Est-ce que je bénis quelqu'un? Moi, je suis la femme de Manoach. Marie n'a pas connu d'homme, mais moi j'ai un homme. Oh. Moi j'ai un homme. Moi, je suis appelé à respecter les principes. Mais Marie est soutenue par l'ombre du Tout-Puissant. Nous ne sommes pas pareils. J'aimerais te faire comprendre tout simplement. Tu n'es pas comme la personne qui est à tes côtés. Ah, oh, ça m'amène à bien. Tu n'es pas comme la personne qui est à tes côtés. Il y a ce qu'il y a, qu'il solution à faciliter. Il y a un autre qui a. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Pour que ça la ma, il faut te les alanasse. Il faut ma bolongo. Et quoi yanasse? Il faut te gêner. Il faut te prendre. Est-ce qu'il y a cette catégorie de personnes ici? Est-ce qu'il y a cette catégorie de personnes ici? Et ça, le quoi, bah, le quoi, biso, oyo. Tosa, ka, fruit, à l'osambo. Ce qui l'osambo, te, moyen, to, comme, si, ka, tosa, hein. Alléluia. Et ça, là, bah, misousou. Bah, comme, bah, pasteur, parce que papa, ça, là, qui pasteur, a couvert, tirer l'église. Ce qu'on biso, to, comment, bah, pasteur, moutazala, pasteur, na, famille, azate.
Koko ya bakoko atika la uzala pasteur te. Noko ya banoko atika la uzala pasteur te. Mengai, angai, naza fruit ya losambo. C'est que lola zambe fongwama, anjo a visita kanga. Les années passées, cette même ange est venu encore vers moi. Laissez-moi dire à quelqu'un, ce matin, comprends que tu n'es pas comme tout le monde. Ceux qui m'ont reçu à gagner sont la facilité. Oui, abisso ma cambo. Et ça, quand on a là, y'a. Alléluia. Je ne ferai pas les choses comme tout le monde. Parce que toi, on est monté. Yo, comme on marie, yo, sa vierge. Mais là, la vanda a déjà la manoua. Tosa, la katia recherche à moi. Marie ne cherchait pas l'enfant. Mais c'est l'ange qui est venu lui donner l'enfant. Mais la femme de Manoah avait besoin de l'enfant. Talabaka est différent. Problème na yona ya moninga est différent. Kolanda ye na nzela na yete parce que wana est nzela na yote. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wana est nzela na ye. Ya obomo na batu mususu. Ya osala kindumba o resil. Yo omekaka okoka anote. Pesa na mena ebisa. Cette fois-ci, on a signé. On m'a marié dans Boyaka. Non, mais quand même. Papa, kata. Papa, tika na yo. Papa, na lembi nanga. Na ligi ba appel autre. Parce que, eza na ngo boite nanga te. Nazo se sentir à l'aise, hein. Na kata ma kamboute. Ato pe sa kambongo na liaka. Mais, ma kambouane eza na ngo ya biso te. Biso ya biso. Eza ka ma bolongo na se. To suis ma résultat. Biso ya biso, et ça ka lola nzambe, et fongwami, moula ma pamboli, et kiti. Alléluia. Otuni copine, lobi. Ah, mobile wana yokuta na. Aswa, nakuta na ni na karavia. Yo pour lobi, ah, n'a pas parti à l'élo. Chaque 12h, na bandoke va na karavia. Nanya ebisio, ke yo peso va na karavia. Yo pour okuta na mbala obala. Yaya, comprendre ka ke yazane mari. Ah, yazune ka grâce, yazune ka ngolu. Mais yo, il faut na maya miso etanga. Il faut na nobele la yaya. Yo, il faut na no lala na se. Yo, il faut na no gêne. Parce que biso, to bota ka ba resilita. Nanse la ba prière na biso. Alléluia. Il faut osa la fière ya moutou o yosa lelo. Parce que osa réellement fruit pe résultat ma propre prière na yo. Osambela libala, nzamba peso libala te. Osambela bana, nzamba peso bana te. Ata libala ngo bitumbe zali me. Ezaka libala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ata bana ngo ba mi tout passe papa Vegas. Bazaka bana. Alléluia. Ata libala ngo yaya zonga 23h azonga ine meyo mo yebi ke wana aneka mutu nanga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Talatika na yebisa yo yayo akoma yayete yayo azaga yayo parce que za yayo tika na yebiso na tongo lelo bozo passer na situation moko mais ba résultat ezande monte. Amen. Vous savez, les saisons déterminent les semences. Amen. C'est que dans chaque saison, nous savons tous qu'il y a quand même des choses à semer. Ça, c'est purement la logique humaine. Mais selon Dieu, c'est les semences qui déterminent les saisons. Alléluia. C'est que les humains nous ont appris, dans telle saison, il faut planter ça pour avoir le résultat. Ça, c'est les hommes. C'est la raison pour laquelle un jour Jésus, face au figuier, il a maudit le figuier parce que le figuier n'a pas pu produire les résultats à laquelle Christ voulait. Amen, amen. Les gens sont venus lui dire, mais ce n'est pas sa saison. Lui dit, bien que ce n'est pas sa saison, mais moi j'ai besoin de quelque chose. Parce qu'il n'a pas donné les résultats, il est maudit. C'est la raison pour laquelle au fait de Cana, Marie vient voir Jésus, lui dit, il n'y a plus de vin. Il dit, femme, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Comme les semences produisent des saisons, les semences, c'était la foi de Marie. Marie a parlé avec foi. Et après quoi?
Jésus a produit des miracles. J'aimerais te dire ceci. Les semences, ce sont tes offrandes. Tes offrandes peuvent t'imposer dans une saison qui n'est pas la tienne. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les semences, ce sont des sacrifices que tu fais pour Dieu. C'est que même sans ces œufs à un raté, c'est possible de produire un résultat. Oh, bah, ton mosus na famille, bah, t'y gala qu'on produit des. Yamon a tongo yalelo. Je lève ma main sur toi. Je déclare et je décrète, même ceux qui battent ma lobby, que tu n'es pas dans ta saison. T'y crête et n'atelère ma sacrifice. N'atelère ma offrande na yo. Reçois ta gloire. Reçois ta bénédiction. Reçois la chose que tu avais besoin. Je ne suis pas dans ma saison, mais à cause de mes sacrifices, que Dieu te pose dans cette saison, au nom de retourner. Alléluia. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais Yamutuya Koye Baben, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Plusieurs ont besoin de la bénédiction. Mais peu sont ceux-là qui demandent à Dieu, Seigneur, comment faire? Comment faire pour avoir l'argent? Amen, amen. Comment faire pour aboutir à tel résultat? Le problème, ce n'est pas la bénédiction. Mais avant de recevoir cette bénédiction, tu es appelé à faire quelque chose. Et Manoach, lorsqu'il a appris cela, j'aime sa réaction. Manoach est allé prier. Manoach va dire à l'Éternel que l'ange qui est à Paris, que cet ange revienne encore. Ce matin, ils ont un ange moko où il a visité encore dans les jours passés. Ils ont un ange moko où il a pris encore libala. Tu connais ça? Ange a pris encore libala. C'est possible à prendre soin à mariage nayo. La Bible dit Dieu est le même. Hier, yeah. C'est que le même Dieu qui avait opéré les miracles hier, aujourd'hui il peut encore faire quelque chose et demain il fera encore de grandes choses avec toi. Le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est que histoire passée. Alléluia. Le nom de Dieu ne peut pas seulement être conjugué dans ton passé, non, même dans ton présent il est Dieu. Alléluia. Et dans ton futur il restera Dieu. C'est que pendant que tu m'écoutes ce matin, réalise que Nzambe aza Nzambe. La situation n'y est pas bonne, tout mauvaise, Dieu reste Dieu. Et le même Dieu qui t'est apparu dans le jour passé, le même Dieu qui t'est parlé, quand tu étais dans l'intimité, dans tes heures de prière, il y a une voix que tu écoutais. Il y a quelqu'un qui t'est parlé. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui veulent plus de résultats à la place d'aller chercher Dieu. Manoach a écouté la femme. Elle a cru à cela. Il a accepté le message. Mais il a dit non, toi tu as parlé. Mais moi aussi je dois aller prier. Que l'ange, que cet ange revienne encore. Ce matin, et ça, ma femme, au lieu de soi qui n'a les kaki. Si qu'elle est un zam, à son sol, le sentiple, il y a ma femme, au lieu, au nom de Jésus. Que cet ange revienne encore. C'est ça la prière de Manoach. Il y a des opportunités que j'ai ratées. Et ça, ma relation, au bébé, ça, dans les jours passés. N'attends pas le long de son sol, tu as ma lame dans tes lana. Oui, à Pessing, amen, Zambazon, ça, tu as ma lame dans tes lana. Dans le bien, ça n'a pas connaissance, mon sousou. Par ignorance, on ignora Kaye. Mais le long, comment on t'a la vie de la Moussika? Toi-même, tu réalises, tu dis, ah, il était une bonne personne pour ma destinée. Mais le long, comment Moussika? Parce que tu es venu en ces lieux. Dis que tes téléphones n'auraient sonné. Ma relation, on est bien baki. Zambazon, selon ma relation, bah, dans ma lame. Zambazon, selon ma relation, bah, dans ma longa. Bato ba kozala lipambo lipona yo. Bato ba kozala lipambo lipona bana na yo. Bato ba kozala lipambo lipona ndaku na yo. Dieu a déjà visité plusieurs personnes. Et plusieurs n'ont pas compris cela. Amen, amen. Toi tu attends Dieu, mais Dieu t'avait déjà visité. Tu attends que Dieu dise un mot pendant qu'il avait déjà parlé. Ah Seigneur,
Mais tu oublies que dans les jours passés, les gens ont tant de négligés. Yende, Azalem Moutama Lampona Bala. Oh, Bisso Baras Nabisso, Bafia Bataille Lokolanga, Nataille Nayo et Simbate. Oh, Bisso Bafi Lokoa, Bisso Bafi Android, Bafi à TGV, Bafi à Vitesse. Yo, oh, mais Mangana Lanterre. Mais les lots mouton yo comme un colobar ou même on a lanterne. Sont totalina fina, on a fina, on a dans un lamp. Alléluia. Zambé a eu que l'homme en attendant les lots. Par opportunité, on aura attaqué. Zamba zomi selon moi, sous n'entend pas les lots. Nan l'obi baton malam, oyo, rataki nan zelana yo. Zamba zomi selon sous bangou nan zelano, au nom de Jésus. Nan l'obi ba opportunité qui toko. Oyo baby saki li kola mou noko na yo. Zamba zomi selon moi, n'attend pas les lots. Parce que batou moussou sou ndo ke fina bangou zaka mou noko na yemo. Amen, amen. Parce que osawa o luka mobali, mais oso finga tonton moko boyenda zaki na likanisa obala. Amen. Parce que yo mon est en présent. En temps présent, et ça là qu'il y a une réalité dans moi. Ou bien que futur peut ça là. Amen, amen. C'est que oh yo mon aki, yo le bien de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Tout ça me l'année dans l'église moi. Naibi papa na ba, naibi mama na ba, naibi ndaku na ba. Naibi ndenge balala ka. Baza na ndaku a deux chambres salon. C'est que baze belé na chambre yena na ndala na salon. Mais azu elanga chuma kamba bolingo. Est-ce que aza normal? Té. Oye ba ki Nazareth bien té. Kaka isika ya humiliation wana. Nzamba za capable. Ya ko bimisa moto malonga kaka kuna. Na lobi kaka na famille wana. Oyo yeba ki ngolo ko la famille ba pauvre. Loko la famille ba si malonga ba zalaka te. Ba si ba banga kanza me ba zalaka te. Nzamba za capable. Kaka na famille mabe wana akomisa mwasi mwa mama pasteur pe a imposer na se. Ah! Est-ce que j'ai béni la vie de quelqu'un? Je dis que Dieu est capable. Kaka na famille oyo kombo e yebana ki na ndenga mabe. O famille matanga. Bango lyo Zamba za capable. Kaka na famille matanga wana a changé histoire à matanga moko pour que nanzela ya matanga témoignage à famille na ye est changé. J'aime Dieu parce que Dieu n'a pas besoin de 10 échantillons. Zamba zo aka échantillon moko. Dis avec moi j'aime Dieu. Dis encore j'aime Dieu. Zamba zo aka ka mutu moko a changé histoire ya famille mobimba. Zamba zoaka moto moko a changé la même histoire et si ka barrière grand-père ba baby saki moto nzamba ponaka wana a réparer même ba des fois barrière grand-père a des fois a réparer na présent pe a préparer futur pour la liberté na e. Dieu t'a déjà parlé. Il y a des questions qu'il faut écouter Dieu. Il y a des questions qu'il faut poser, berger. Votre plus grand problème, c'est que Dieu m'a appelé. Mais après avoir appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Le problème, ce n'est pas l'appeler. Parce que la Bible a déjà dit, beaucoup sont appelés. Est-ce que Dieu est élu? Hein? Le problème, ce n'est pas dit que ma bengi, bipipé, téléphone peut sonner à kaka. Yo, eh bien, monté. Non, mon athée, mon bipé, téléphone ne sonne. Et sonne. Mais est-ce que vous sonnez? Vous sonnez? Et ça va battre mon nom parce que appelle tes basoins non bip. Si qu'on y osoit bip, comment tellement zélé que tu ne comprennes même pas qu'après l'appel, il y a des choses que tu dois encore écouter. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Il m'a appelé, oui, mais il a dit quoi? Il m'a dit que j'aurai un enfant, oui, mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Et ça l'a mandé nini, m'a dit et qu'on s'allende nini. Ange a décrire ndenge kozala kokeko la nona Joseph te parce que wane ze fort humanité homme la tout puissant kande na onloba na zo informé déjà Elisabeth 6e mois azape déjà la 4 à 6 mois c'est que ange a opé ces informations que ndenge na onloba na yo na sina sale pe Elisabeth no yo komi banko tout na ba question belete Marie Elisabeth kende okuta na ye a oye biso ka ana semi ya 6 mois tika ngana biso peut-être Marie ba ndo kuta na Elisabeth mais Elisabeth aza le type de femme o ataza na zema 6 mois libomwe bi marate a ah, pesa na mena bien pesa na mena bien na biso c'est que Elisabeth aza type de femme aza na zema 6 mois mais le ronde na zemité c'est que Marie ba ndeko mona mais
normal. Mais l'ange lui dit là, comment Ma période na zomo na te munga nga confirmé que yo Elisabeth ozana semi c'est que bino bato ata bozo douté c'est que moi je sais na kati na nga ezana bébé mon corps Jean-Baptiste aso baluka aso lali sangate Elisabeth akoma ko bwa ka soyi muto bato bakanisa ti que rien de bon ne pouvait sortir d'elle zamba changer langage à bato. Natango lelo ezala makambo batu bamona ate na famille na yo mais ezali déjà hein na vie bana no ezala makambo batu bamona te mais tikanga na biso grâce wana eza déjà lipamboli wana eza déjà réussite wana eza déjà élévation wana eza déjà kati na bango mais le problème c'est le sixième mois toko bimisa prématurité. Toko bimisa bénédiction prématurité. Toko zelango. Est-ce que je bénis quelqu'un? Nabi oko bimisa li pamboli moko prématurité. Oh, parce que bango baso kenenga pena kende te. Nana 6 mois. Les paniers circulent encore. A chacun son tour chez le coiffeur. Natika la omona coiffeur moko te. Aokata mitumi balé mbala moko. Jamais. Moutou na moutou. Avant d'arana tournaï. Tala yo po vanda na tourna yo. Bako zwa pe swana yo. Bako salo pe suki. Bako kata yo pe. Robi pe a tourno pe ezali. Voile pe a tourno pe ezali. Moutouka pe a tourno pe ezali. Nako ya tourna yo pe ezali. Ezali kamwa precede. Oyo ngana yebi. Ngana na 6e mois. Yo soko zana 9e mois. Kende ko bota. Men nga. Na onse la pe yanga mikolo. Alléluia. C'est là yayom Nicolo yaya. Cosa précédé. Oh médecin, bango ba boti, fongola ka mwa nango, abima yaya césarienne ya nini. Ba fongola pona nini. Ata ba fongoli ogozwa ete avanda na couveuse. Makambo ba couveuse nga na boy. Lipamboli evandeli nga na couveuse na boy. Yanga nazo zelango, na ko simango e ko bima na nzela na ngamoko, pe na ko mona, pe na ko tato la ko mwanza. Yango na ebisi moto moko na Moya lelo ange ensemble oya visite ki on a mikolo le kaki a visité le sous na tongo ya lelo. Si tu reconnais dans ta vie que un jour Dieu t'avait fait du bien, ce matin il peut encore le faire. La Bible dit si nous sommes fidèles dans de petites choses, c'est alors que Dieu nous accordera encore des grandes choses. C'est que fidélité n'en a déjà et ça n'en a reconnaissance n'en a na yebi bitumbeyaka. Mais naibi peke zaka na nzambe moko oya longi sakamba. Oh, pesa nga mena bien. Naibi ba problème etele maka. Mais naibi peke zaka na nzambe moko oya longi sakamba. Yango Moïse mbi aloba. Naibi nenge bandaka. Naibi pe nenge sukaka. E bandaba alu ke langa ba problème. Mais suka ande nene. Yondo sala anene. Omo ateke na tonga le lonzamba sa longi siyo. Au moins, tu es dans ton monde, dans ta salle, si mon bali na yo. Attends, complot, y'a moussala, dans ta salle, longi si yé. Au moins, tu es dans ta salle, longi sa na yébana na yo. C'est que ton yébi n'enge bandaka. Biso ton yébi. Race na biso. Sans loupsambo. Et loko yate. Yango, il faut toujours au maintenir et loko yisala la force na yo. Si c'est la prière, prie bien. Parce que c'est ça même la force, ta force. Si ce sont les sacrifices, les offrandes, les dîmes, ça l'engo bien.
parce qu'il y a un monde et sa force. Plusieurs échouent aujourd'hui parce que vous voulez tout mélanger au même moment. Ah. Frère Wana, à ton moins point, pour comment vous voyez, mais vous allez voir, vous voyez, Vous allez voir, vous voyez, yo peut-être dans le combo l'église. Moussous, dans le bétatron. Moussous, dans le terre. Alléluia. Bisous, on a libosoté. Et l'ignore, on a l'oubli, peut-être que Moutos a raliboso, a sa supérieure collègue à Moutovan. Non. Mais Moutos a un peu de rôle là. Toi, on a un peu de rôle à maman et Yébani. Y a papa et Yébani. Rôle à Bana et Yébani. Moutos a un peu de garder Kabandi. Oh, et ça, la force là. La grâce est trompeuse. Alléluia. Et ça n'a pas tout moussou, ma comme ça, la mananzela ngolo. Mais yon soki ngolo localiso na note. Bondela. Bondela. Tchama bolo mwanase. Belela alolola. Lola nzam. Ero fongwa manikolo na yo. Ange oya sekisa kyo na mikolo leki. Na tongwa lelo. Aya soko sekisa yo. Aya ko konsole yo. Aya ko changer histoire à libota na yo. Aya ko changer histoire à mwana na yo. Aya ko changer histoire à mobale na yo. Situation où ezo salo presse na motema. Na tongo ya lelo. Ange oya memaka kimia. Amema kimia na ndaku na yo. Ange oya memaka esengo. Amema esengo na ndaku na yo. Na simwa oyo tikali. Pouketo si sa année 2024. Yo o simba bilaka ya nzam. Yo o temwane bola mwanzam. Yo o mona lobo kwa nzam. Vina yo eko ma temwanya. Au vivre un miracle, au bateau monsieur sur ma monade, yo au mona yango, parce que osa lokola ba misusu te, ceux qui ba misusu, ba soa kanyo son a facilité, biso osa lokola bangote, oh ngana yebi, Bible zolo balanga, invoquez-moi et je vous répondrai, ngana zana rasa bateau ba invokaka, ngana zana rasa bateau ba belelaka, ngana zana rasa bateau oyo ba lala kanase, afin que ba bota ba résultat au bazo luka, ngana zinga kaba imprévité, mais où est comme la ganga et ça on s'amalouba langa. Il y a un jour Jésus agirait, tu agirais à cause de l'alliance. Il va encore dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Zambé a commis redevable l'icolo ya alliance na yemoko. Tikanga na yebisayo na tongo ya lelo à cause de l'alliance. Samba obombe le côté à cause de l'alliance et ça n'a le moment de surprendre yo parce que nous sont avant et comment zamba kolobela yo zamba kotalisa yo et ça n'a problème mon côté oye kolongola ki bonzamba zambe na vina yo et ça n'a problème mon côté oye le kin zambe na ona makasi mais ça n'a pas problème oye tango e komaka et tinda kabiso tofuka mapeto luka zambe problème et ça la ki manoache ayo ki message akeya lobite. Yokutana kinaye, ngape fona yoka, ngape fona mona, manoache est allé prier. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, et ça n'a pas résultat. Oh, Paul a osoua, il faut osambe là. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, ne néglige jamais la vie de la prière. Prie même quand tu es fatigué, prie même quand tu n'as pas envie de prier. Même quand lorsque tout le monde ne prie pas, toi prie, parce que c'est dans la prière que tu auras les résultats que tu as besoin. Tu auras des résultats que tu as besoin. Tu auras des solutions que tu as besoin. Tu auras la consolation au travers de la prière. La prière. La prière. La prière. Tiens-toi debout de là où tu es. Il se peut que la saison avait passé. La saison était déjà passée. Balobi, saison n'a pas été celle-là. Parce que Balobi âge pour s'année. Balobi, saison n'a pas réussi dans la vie et celle-là. Parce que âge c'est pour s'année. Ce matin, l'ange qui t'avait visité les jours passés, cet ange peut encore te visiter ce matin. Les gens n'ont pas sur saison et les canis. Les gens n'ont pas sur saison et c'est scellé. Les gens n'ont pas sur rien de bon ne peut sortir de toi. Parce que la saison est déjà passée. Ce matin, je te rassure, je te garantis que la saison n'est pas encore passée. Jésus a dit, femme,
Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais la foi de la femme était une semence. La foi de la femme était une semence. Oui, ça a été miracle et s'est produit. Ce matin, même si tu n'es pas dans ta saison, je te rassure que tu réussiras. Même si tu n'es pas dans ta saison, tu vas te marier. Parce que le Dieu de la Bible, il est un Dieu capable d'imposer quelqu'un. En dehors de ta saison, Dieu peut t'imposer dans cette saison-là. Et ça, dans la saison, Zamba est posé parce que Naza violent. Même la Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est que ça, la Bible nous pour que ça là. Et c'est un au bon de la terre. Et c'est un la violence. Marie n'a pas prié, mais l'ange est venu vers lui. Et ça, la Batumusu, Baba là facilement. Abeti ça, Moutou n'a mérité, mais Moba là ya facilement. Mais, il y a ça là. Yo, ça le roi Bangote, yo, faut les là. Yo, faut pénal qui t'amba là la Moutou. Il faut on gêner nanou, il faut gêner au kondi matoko le bimi ne omoni gloire en zambe. Dans la yosa loko la bangote, comprendre race na yo, comprendre kaso ozanan. Et ça batou msou ba yebisa biso. Mon chef so toi université pour la formalité. Mais yo kenda ki université pour que on apprendre pour que lobo za la itu. Et ça ba ninga msusu. Avant même bossi sa classe ya banda déjà msala. Parce que pour naïe, il fallait qu'à ajouter un papier wana. Oh yo benga un diplôme, y a benga un papier. Abinga na 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 posa papier na parce que nous sommes prêts. Frère, yo za roi bangote. Et ça n'a pas mis sous. Papa zo travaille déjà pour naïe. Papa zo tonga déjà banda pour na bango. Et bon yo, batike la binonine. A ta vélo exacte, tu n'as pas droit à l'erreur. Mon frère, tu n'as pas droit à l'erreur. Ma soeur, tu n'as pas droit à l'erreur. Mobali wanana na tongelo nda kute akokufate. Mobali wanana na stabiliser vie na ote akokufate. Soka kufi lelo yo suka. C'est pourquoi quand on te demande de prier, qu'on sambe à lokola mutu nyo sote parce que mususu, on sambe ané bien te parce qu'il y a que banda kweza déjà. Mitu kweza déjà. Quand ta banque pesa, mais biso ba oyo. Biso ba oyo. Biso ba oyo. Biso ba oyo, héritage nini. Biso ba oyo, to rejoin nini. Donc quand on te demande de prier, comprendre que na simananga mutotale la zate, na zaka nga na nzambe. Mais ça la ba misusu awa. Aza négligent parce qu'il dit que papa za. Sa force c'est papa. Sa force c'est sa mère. Ayebi ke Ata Bundi n'a été papa offert voyager. Et bon, on a. Nani a offert voyager. Nani a kosunga yo. Soko misungite. Frère, Zambela. Zambela. L'ange est allé vers Marie. Marie n'avait pas besoin d'enfant. Azala est fiancé. Azala est prêté pour nos robota. Mais l'ange est venu vers lui. Mais la femme de Manoas, son nom n'est pas même cité dans la Bible. Mais l'ange l'a visité. Tikangana ebiso. Ata kongwa famille na bino yebanite. La tongwa lelo. Ange ensemble a revisité au nom de Jésus. Ata ange a bengi on a kombo noté. Mais on a yebia revisité yo. Ange a yebata kombo nangate ma yebe longi nanga. A ebisye, tu auras un enfant. Ne prends pas des choses impures. Ne prends pas de vin. Parce que l'enfant que tu auras, cet enfant est déjà consacré. T'as la raison à la race à battre. On s'en va consacrer à Bango depuis le moment maman à Bango. Yango ta bozoni à ta Bango si kabadinda batongwa maka. On a le bien à ta bozoni à ta yeye abimaka. Parce que Azana ressort katinaye. Plus bozoni à ta yeye, plus azo denda, plus azo kende liboso. Yango batounio so balinga ibani à ta bana na yo. Zamba au surprendre bango na ane oyo. Bato balinga ibani à ta libala na yo. Zamba surprendre bango na tongwa lelo. Bato balinga ibani à ta mosala na yo. Zamba surprendre bango na tongwa lelo. Réalise qui tu es, mon frère. Yosa nani. Osa Marie, tosa femme à Manoas. Natongwa lelo. Biso to osambela. Nana na rasi ya Manoas.
bisoto fuka maka anjoas asalanga bolam jour à consécration nanga anjo a visita kanga anjo a sopanaka likolo nanga anjo ana yalisuna to mwalelo anjo a docteur biolo oya visita nga anjo ana ayisuna to mwalelo. Je n'ai personne si ce n'est pas Dieu. Je ne sais même pas à qui me confier si ce n'est pas à Dieu. Tant que ma problème est matin à moutema, et ce que la canganaï, nana mouta obéte la te, nazala pena mouta oyo ke langa mawate, natika la kangana tata. Natongwa lelo, il se peut que c'est aussi ton cas. C'est que natongwa lelo la ina sambe na batoyo, ba ebi ke soki ba longoli nzambe na vina bango. Ah, bakufi, batikali pamba. Yomu toza na bolamu, yomu tozo bonga, soko osambe la te vanda. Me biso bat nan te to bongi, to anaposa to telema, puke nzambe, ayoke la biso atamawa. Soke esenga to fuka ma to fuka mi, soke esenga to lale lena se to lala, paske biso to botaka, oye biso moko to lukaka. Biso ba pesa ka biso te, me toza frezulta, ya ba propre prière na biso. Soko moni nga na bali, seke na sambe la ki, ndenzamba pesi nga libala. Soko moni nga na boti, seke na sambe la ki, ndenzamba pesi nga mwana. Ezana eloko moko te, oye komela nga paraza, oye nyo sezo koma, eza rezulta. Et ça fruit, il y a ma prière dans ma moko. Naza prophète à vie dans ma moko. Naza prophétesse à vie dans ma moko. Naza la posate. Baye bisanga. Soke rosalande nini. Mais na moko. Nanzambe. Toso bongi salelo. Élève ta voix de là où tu es. Commence à prier. La brasso praya baba. L'obro shabaya baba baba. Bonne la, bonne la, bonne la, bonne la, bonne la. Que l'ange qui nous avait visité revienne encore. Jésus. Que cet ange qui nous avait touché nous touche encore. Jésus. Que l'ange qui t'avait fait du bien dans les jours passés l'efface encore. Jésus, Jésus. Que l'ange qui te parlait te parle encore ce matin. Que l'ange qui te bénissait te bénisse encore ce matin. Mais Rabba Sopra Yaba Shada. Les kapaya la baba sont ya la baba. Les manamasa kapaya baba. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore fini. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est dans la maison. L'ange qui t'avait visité, il peut encore te visiter ce matin. L'ange qui t'avait saisi, il peut encore te saisir ce matin. Le Dieu qui te parlait, il peut encore te parler ce matin. Il peut encore le faire. 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 Ce matin, il peut encore te oindre. Il peut encore te oindre. Là où tu étais tombé, la restauration est possible. La restauration est possible. La restauration est possible. La restauration est possible. Le réparateur des brèches, il est dans la maison. Il est dans la maison ce matin. Il est dans la maison ce matin. Il est dans ce lieu ce matin. Il est dans ce lieu ce matin. Tu enfanteras ton miracle. Tu enfanteras ta bénédiction. Tu enfanteras des choses. Tu enfanteras des choses, tu enfanteras des choses, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que personne n'a fait dans ta famille. L'Éternel le fera avec toi. L'Éternel le fera avec toi. L'Éternel le fera avec toi. Ce matin il le fera. Ce matin il le fera. Il le fera encore. J'ai dit encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. L'ange qui t'a touché dans tes heures de prière, l'onction qui te faisait flairer, ce matin, il peut encore te saisir, il peut encore te saisir, il peut encore te saisir, que les larmes coulent maintenant, les larmes de l'onction, les larmes de la grâce, les larmes de la puissance, les kapasupra, l'abrachadada, les manamasaka, l'obrosoprayaba, les manamamamamama, les manamamamamama, que cet ange revienne, que cet ange revienne. Que cet ange revienne, que cet ange revienne. Il y a des gens qui ont étouffé ta grâce. Il y a des gens qui ont étouffé l'onction. Il y a des gens qui ont étouffé les dons que Dieu t'avait donnés. Je fais appel, je fais appel, je fais appel, je fais appel à cet ange qui t'avait parlé, à cet ange qui t'avait malakasaka, le kapaya baba, l'obrosakapaya, le kapaya baba, le manamashada, aïe 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 aïe
L'onction de Dieu dans la maison. L'onction de Dieu dans la maison. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu est en train de toucher. L'ange de Dieu est en train de toucher. L'ange de Dieu est en train de saisir. L'ange de Dieu est en train de saisir. L'ange de Dieu est en train de saisir. Reçois. 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 Reçois l'onction. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois. Reçois maintenant. 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 Mon Dieu, mon Dieu. 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 Quelle puissance en ce lieu. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle onction en ce lieu. Mon Dieu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les massacres payaba. Que l'ange qui nous avait touché revienne encore. Que cet ange revienne encore. Que cet ange revienne encore. Que cet ange revienne encore. Eh ah, les capasopra, l'obra sakapaya, la manipuissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans la maison. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de saisir les hommes et les femmes. L'ange qui vous avait visité. L'ange qui vous avait visité. Dans les jours passés, je vois cet ange à tes côtés maintenant. Je vois cet ange en train de te toucher. Je vois cet ange en train de te saisir. Sois saisi maintenant. 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 L'onction de Dieu est dans la maison. L'onction de Dieu est dans ce lieu. 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 Yaba sopra yaba. Le kapaya malaba, shadada baba baba, lopro sopra, yebada babo, lomana mashea, le katakaya, labasunteya, yerebo shada, le kapaya, lopro sopra, lopro shayaba, lopro yaba, eya baba baba, eya baba baba, eya baba baba, reçois que l'ange qui t'avait visité dans les jours passés, que cet ange revienne encore, qu'il revienne encore, l'onction que tu avais reçue. Dans les jours passés, que ces onctions reviennent encore, un vent souffle, qu'un vent souffle, qu'un vent souffle. Ce matin, en ce lieu, que les anges de Dieu nous saisissent en ce lieu, que l'ange de Dieu nous touche en ce lieu. L'ange qui t'avait visité dans les jours passés, je fais appel. Que cet ange vienne, que cet ange vienne encore. Que cet ange vienne encore. La prasopraya. Le kapaya badaba. Shadadadadada. Yedema sopra. Ah, si tu veux plaire, plaire. Plaire, plaire, plaire. Ah. C'est ça même ta guérison pour cette matinée. C'est ça même. Ah. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Il y a une gloire en ces lieux. Il y a une gloire en ces lieux. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort. Il y a des gens qui ne font que couler des larmes. Il y a des gens qui ne font que couler des larmes. Il y a des gens qui ne font que couler des larmes. Là-bas, sopraya, baba, baba, baba. Manoshaya, le baba. L'obro sopraya. Le manama, baba. L'obra, ayama, soya. Yamaya, soya, mayaya. Yamaya, soya, mayaya. Yamaya masoya mayaya, yamaya masoya mayaya, eya maso, iketaka, imeyaba, lobraya, lekapa, yamaya masoya, yabasaya, labasoba, eya, 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 leba sopra, oh. Jésus, Jésus, Jésus. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. La Shekinah de Dieu.
Sa gloire est là. L'ange qui t'avait guéri l'autre fois. L'ange qui t'avait guéri l'autre fois. Je te vois être guéri maintenant. L'ange qui t'avait guéri l'autre fois. Cet ange te touche encore. Il 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 te touche encore. Rakapayaba. L'obro sopraya. Iyaba shayerebo. Lepayaba la mama. L'obro sopa. Iketakaya. Lama shayerego. L'obra sapa. Yana. Il y a un mouvement spirituel dans ce lieu. Il y a un mouvement spirituel dans ce lieu. Ne sois pas distrait. 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 L'ange qui vous avait touché, l'ange qui m'avait saisi le jour de ma consécration, il est dans ce lieu. L'ange qui m'avait saisi. L'ange de Dieu est là. L'ange de Dieu est là. L'ange de Dieu est dans ces lieux. L'ange qui m'avait saisi les jours de ma consécration. Le Dieu de mon père, le docteur Papier Robiolo, le Dieu de Blanchard Kassongo, le Dieu de Blanchard Kassongo, le Dieu de Blanchard Kassongo, le Dieu de Blanchard Kassongo. Rakapa Sapa, le Bashayara Baba, l'Obro Sopra, et Amalo Shayaba. Oh! L'ange qui t'avait apparu, t'apparaîtra encore. Il t'apparaîtra encore. Il va encore apparaître. Il va encore apparaître. Il va encore apparaître. Il va encore apparaître. L'ange qui t'avait apparu, il va encore apparaître ce matin. Je dis, il va encore apparaître. En ce mois de juin, l'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. L'ange qui t'avait apparu, il apparaîtra encore. Il apparaîtra encore. Il apparaîtra encore. Il apparaîtra encore. Il va encore apparaître. Il va encore apparaître. Il va encore apparaître. Raka sopra. Lebra ya baba baba. Lebra ya baba baba. Lebra ya baba baba. Lebra ya baba baba. Lebra ya. Ayaba. Ayayaya. 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 Ea. Lobro sopra ya. Lobro shabaya. Lobro sopra yaba. L'ange qui m'avait apparu, ce matin il va encore apparaître. 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 L'ange qui t'avait saisi, il va encore te saisir maintenant. Il va encore te saisir. Il va encore te saisir. Il va encore te saisir. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi ce matin. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. Il apparaîtra. Il va apparaître. C'est matin. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. L'ange va encore apparaître. Il va apparaître. Il va encore apparaître. Il va encore apparaître. L'ange apparaîtra. L'ange de Dieu qui t'avait apparu le jour passé. Ce matin il est là. 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 Ce matin. Rakapa sopra. Lebraya baba. Lebraya baba. Lebraya baba. Lebraya baba. L'obro sopra. Yabasoya baba baba baba. Jésus. 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 Que l'ange de Dieu te touche. Que l'ange de Dieu te touche. Que l'ange de Dieu te saisisse ce matin. L'ange qui t'avait saisi. Rabba sopra. Et capa.
L'ange qui t'avait apparu l'autre fois. L'ange qui t'avait guéri. L'ange qui t'avait apparu. Il apparaîtra encore. J'ai dit encore et encore. Encore et encore. Il apparaîtra encore. Encore et encore. Ce matin, je fais appel à cet ange. Cet ange qui t'avait gardé dans les jours passés. Il te gardera encore. Il te gardera encore. Il te gardera encore. Il te gardera encore. Je dis encore. Encore et encore. Encore et encore. Reçois la faveur. 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 Les capacités. Les parabas. L'offre au chaval. Les parabas sont pas. Les parabas. Recherche des ânes. Pendant que lui était à la recherche des ânes, on vient lui informer par les prophètes que les ânes que tu cherchais ont été retrouvés. Je suis venu dire à quelqu'un, comme un ange que le Seigneur a placé en ce lieu. Alléluia. Les relations que tu cherchais pendant longtemps, reçois toutes ces relations au nom de Jésus. Ton mariage a été retrouvé au nom de Jésus. Ton succès a été retrouvé au nom de Jésus. Ce que tu avais perdu dans les jours passés, l'Éternel te l'accorde encore ce matin au nom de Jésus. Jésus, reçois ce que tu cherchais au nom de Jésus. Quel ange qui t'est apparu dans les jours passés. L'ange qui t'est parlé dans les jours passés. Cet ange te parlera encore. Je dis encore et encore. Ce matin, que cet ange soit opérationnel dans ta vie. Je dis que l'ange qui t'avait guéri d'une maladie, ce matin, il est capable encore de te guérir. L'ange qui te saisissait pendant tes heures de prière, je dis ce matin, il va encore te saisir. Je dis, il va encore te saisir. L'ange qui t'ouvre les yeux afin d'avoir la vision, aujourd'hui, tu auras encore de vision. Tu verras encore de grandes choses, des choses que tu ne voyais plus. Ce matin, l'ange qui t'avait saisi, il est revenu encore. Il est revenu. Il est revenu encore. L'histoire de quelqu'un a changé ce matin. J'ai dit, l'histoire d'un couple vient de changer ce matin. Dieu vient changer l'histoire d'une famille ce matin. J'ai dit, il vient de changer l'histoire de quelqu'un ce matin. L'ange qui a amené la stabilité dans ton foyer, je fais appel à cet ange, il vient d'entrer. J'ai dit, il est entré maintenant. Il est entré maintenant. Tu toucheras à l'argent que tu n'as jamais touché. Les portes te seront ouvertes au nom puissant de Jésus. J'ai dit que les portes te soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Partout où tu frapperas, on t'ouvrira la porte. Parce que le ciel est ouvert. Je dis, le ciel est ouvert en ta faveur. Père, merci. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu viens d'accomplir en ce lieu. Nous avons encore besoin. Nous avons encore soif de recevoir plus que ce que tu nous as donné. Nous avons encore besoin que tu fasses encore des choses plus que ce que nous avons déjà vu. Nous avons besoin
d'expérimenter encore une autre gloire, plus que cette gloire. Jusque là, on n'a encore rien fait. Jusque là, on n'a encore rien fait. Seigneur, nous avons soif. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de vivre de nouvelles choses. Nous avons soif d'expérimenter ta puissance. Ce matin, je prie afin que l'ange qui nous avait visité dans les jours passés, que cet ange nous visite encore. L'ange qui nous avait parlé dans les jours passés, que cet ange vienne encore. Oh, l'ange qui nous avait béni les jours passés, que cet ange vienne encore. Père Dieu de grâce, fais-nous voir ta puissance, ta main. Change l'histoire de ton peuple. Change l'histoire de tout un chacun. Au travers de la prière de ce matin, que cette prière produise des résultats au nom puissant de Jésus. Que cette prière produise des résultats au nom de Jésus. Même si la personne à qui je parle, il n'est pas dans sa saison, je l'impose dans cette saison au nom puissant de Jésus. Même si tu as été écarté de cette saison, je t'introduis dans cette saison au nom puissant de Jésus. Tu mangeras à la table du roi. Tu seras servi et traité bien. Je dis, on te traitera bien. Tu vas manger à la table du roi. L'éternel Dieu des armées est avec toi. Tu ne choueras pas cette année. Tu seras la tête et non jamais la queue. Partout tu frapperas, on t'ouvrira. Que 1000 tombent à ta gauche, 2000 à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Je déclare que tu seras la tête et non jamais la queue. Réussis à tous égards. Je dis réussis à tous égards. Là où ton père a échoué, là où tes frères ont échoué, toi tu vas marquer la différence. Car la Bible dit, de nouveau verront la différence. Je dis ce matin, entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ce matin, parce que tu pries, tu vivras la vie de la distinction. Tu vivras la vie de la distinction. Que ta vie change et que ton histoire change. Oh, grâce à tes prières, reçois les résultats dont tu avais besoin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons fortement pour le Seigneur. Acclamons bien pour Jésus. Beta maboko moto a su visitation à ton walelo. Beta maboko moto a